D'accord, ok. Parce que sinon, moi, je vais te laisser là pour ce soir. Et voilà, donc je dis une bonne soirée à tous et puis rendez-vous tout de suite avec les Bibis. Avec vous, Bibi, on va glisser sur des terrains de ouf. Ouais. Voilà, allez, à bientôt, Merci. salut! À plus, bon week-end, bon app, Merci. merci, bisous tout plein. Ciao, À bientôt. ciao. Alors les bibis. Marble. Marble on stream. Alors attendez, je lance de mon côté avant de vous redonner le signal du jeu. J'avais le droit de voir ma tronche en gros plan. Ah oui, c'est vrai qu'il est long le jeu de bibi à se lancer. Faut attendre 20 30 secondes de mon côté. Faut dire aussi il est pas sur le SSD hein, c'est enfin, bref, c'est anecdotique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ma lampe dans la tronche? Non, mon éclairage de pièce est très bien. Oui, ça m'évite d'avoir un mal de crâne. Oui, les bibis sont désirés là. Oh là là, ça met du temps à. Puis le temps de lancer la première course, je vais être très vilain parce que j'allais me chercher une mousse. Et je me mangerai une pizza tout à l'heure quand je ferai X-Files avec Fun. Fan. Oh! Je vois un truc sur les bibis qui m'intrigue. Vous allez voir, voilà. Je lance le jeu Awarded Twitch Drop. J'ai un gain de x5 Community Coin. Bon bah d'accord. Go to drop. Je sais pas, j'ai gagné. Voilà, 22 octobre, Community Coin. Ok, merci. Génial. J'ai pas tout compris, mais bon. Allez, faites-vous plaisir. Si vous voulez voter, je vous laisse le schmilblick ouvert. Je regarde que mes paramètres soient bons de diffusion. Ça a l'air d'être OK. Que je retrouve mon écran de chat. Oui, bon app pour ceux qui partent, qui vont manger. Bon app, bon week-end. Vote 26. Ouais, vous avez raison. Poupon qui dit Zoubi. Oui, bisous. Je go miam avant de lancer les hostilités. Ah, tu fais. Ah, je me souviens plus que tu refaisais des directs le week-end. Bah, bon direct à toi, Poupon. Je suis tellement habitué à te voir en semaine que j'oublie que tu peux diffuser le week-end. C'est bien. T'as bien raison. Tac, 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 tac. Oui, bah tiens, le message tombe bien. Oui, je rappelle que je diffuse pas demain. Demain, j'aurais pu honnêtement diffuser le matin, mais le matin, je vais me le garder pour le ménage. J'ai du ménage en retard, il faut absolument que je le fasse là, parce que c'est pas raisonnable. Je vois que vous ne vous décidez pas. Je vais décider pour vous. Le City Frozen qui est bien. Le coup du record de Fun Fan dans le système solaire, c'est. Marble Santori. Le dojo qui est pas mal. Le vote 50 à 8 a choisi le Bango Boogie. Ah oui, je crois que c'est le parc d'attraction avec les toboggans. Ouais. Bien vu. Mais je suis pas sûr qu'il ait pris en compte ton vote. Attendez, je vais le mettre manuellement parce que. Bonjour Richam et bienvenue sur le chat. Qui a fait un choix du 59. Marble Diners. Mais ça marche le truc? J'ai pas l'impression. Ah non, le Marble Diners, c'est bon, il a été mis. J'ai pas l'impression que les trucs aient été retenus. Nainonette, voyez le 25 aussi. Le 25, c'est House of Pain, la maison de la douleur. Vote 100. Non, il n'y a pas. Là, t'abuses. Par contre, on va aller dans la communauté. Alors là, j'interdis les votes. Pardon. La communauté, j'interdis les votes. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir des taux d'élimination trop élevés. C'est pas juste. Je trouve dégueu les cartes où on finit pas en. On finit pas la course, j'aime pas. Non, fast track, c'est un peu trop rapide la course en question. Ouais, tant qu'on reste sous la barre des 10% d'élimination, ça va, j'accepte la carte. Je sais pas, on va découvrir des tracés nouveaux. J'ai choisi au pifomètre, allez, j'en demande d'autres. Hop là!
Non, celle-là, elle a un taux d'élimination énorme. Non, taux d'élimination énorme. Oh là là, il y a des fous furieux au niveau des conceptions de... Ouais, celle-là encore, ça a l'air d'être correct. Ouais, pourquoi pas. Il n'y en a pas beaucoup des courses qui durent plus de 2 minutes. Ah, il y en a une qui fait 3,43 apparemment et qui a un taux de 2% d'élimination. C'est le genre de tracé qui me plaît bien. 5 minutes. 14 minutes! Ouah, ils sont fous, eux. Là, c'est abusé en durée. Un quart d'heure la course. Le mec qui veut artificiellement rallonger la durée de son direct, il prend la course là, quoi. Ah non, c'est... Allez, une dernière qui correspondrait à mes critères de... Allez, la 2,25 à 0% de... Allez, go! Allez, c'est parti! Point d'exclamation, play! Je vous montre l'exemple. Play, je vais faire vote, moi. Oh, puis j'écris des bêtises. Voilà. Lâchez votre bibi, qu'on se le dise. La, 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 la. Du coup, la grande question que je me pose, c'est combien d'entre vous vont être actifs à placer sa bibi? Parce que c'est l'heure de dîner, donc... C'est bien, on est déjà 5 mois inclus sur la ligne de départ. C'est... Ça va. Je rappelle que j'ai eu des humiliations terribles où j'étais le seul à aligner ma bille et c'était un poil ridicule. Là, il y a un petit peu de challenge. Donc, j'ai lancé la course. D'ailleurs, tu as le record Elchitofen en local, hein, pas mondial, local en 2,11. Je vais aller me chercher une mousse que je vais commencer à savourer parce que pour moi, ça va être l'heure de l'apéro. Je ne dégusterai que ma pizza chorizo qu'à partir du moment que j'aurai fait le relais de chaîne à Funfan. J'irai la chercher et on se fera du... Merde, je sais plus c'est quoi la touche, c'est Alt. Du X-Files. Ah bah voilà, je mets à l'honneur Hicham qui est d'ailleurs discret dans l'avatar puisque il n'a pas été personnalisé. Mais c'est bien, ça n'empêche pas de jouer. Voilà la belle carte. J'essaie de vous mettre une bonne vue. Et je reviens dans 2 minutes le temps de la course. Je vais me chercher une mousse au frais, j'ai soif. J'ai soif. À tout de suite. Je sais même pas laquelle je vais prendre. Je vais peut-être d'ailleurs un nouveau contenant. J'ai un petit contretemps pas trop fâcheux. Je reviens dans 2 minutes, vous inquiétez pas. J'ai renversé un truc, j'en ai pour 30 secondes.
Attendez, me v'là. Excusez-moi du petit moment de flottement. Alors, hop, hop, ça passe là. Ah, il faut que je remette de la musique, eh oh. C'est pas tout, mais oui, ce silence, bah oui. Excusez-moi du vide, mais bah tiens, bien joué, Nainone. Mais c'est vrai, je vous ai pas remis la musique, je vous mets de la musique de fond habituellement, et là j'ai complètement zappé. Attendez, Winamp, il est où? Il est même pas lancé, Winamp. Ouh là là, si, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Blalalala. Je vais y arriver. Excusez-moi. Oui, ça fait bizarre. Ah. Enfin, faut pas que je mette trop fort la musique non plus, mais... Alors, Nayonette, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, tac, 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 que j'ai tous mes écrans de contrôle. Bah merde alors. Ah oui, j'allais dire. Alors, Nayone, Elchitofen et Christella, vous êtes sur le podium. Pour la première course, bien joué. Suivi de moi, Isham et Fanfan. Allez, zou, on passe à la suite. Ah. Allez-y, plaisez-vous, bibi. Cyberfun 11 a le record en 1.48.3. Mouah, ah, ah. Touk. Alors, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et je vais me goûter une mousse à la mangue. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que je vais apprécier? Est-ce que je vais trouver ça dégueulasse? Elle est aromatisée à la mangue. Quand j'ai vu ça dans le rayon, ça m'a surpris, ça m'a étonné. Attendez, avec les écouteurs, il faudrait que les écouteurs suivent. Sinon, j'ai trop de tension. Attention. La tête de la Jed. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, j'ai peut-être trouvé ça dégueu. Hein. Ça y est, ça va être le départ de la course. Déjà, à l'odorat, ça, on sent la mangue. Ça se boit. Pardon, honnêtement, ça se boit. Original, sans plus. Je serais pas demandeur, mais ça a le mérite d'exister. Correct. Honnêtement, ma première impression, c'est correct. Déduction parfaitement logique. 4 participants pour un podium. Va y avoir un éliminé. Enfin, éliminé. Qui va choir au pied du podium. Parlons pas de malheur sur les possibles expulsions de billes hors trajectoire, hors circuit. Et en plus, la musique, elle est trop bizarre. C'est psychédélique. Non, le record va pas être battu. Ouais. Oh, je remporte la course. Message de Fun Fan 1992, c'est un mélange d'un côté émotion jolie avec de l'absurde.
Alors, j'emporte la course suivie de Christella et El Chitofen. Et t'as, voilà, la Bifun Fan est la dernière qui, voilà, qui est pas sur le podium. Wally Walou. Oh, je suis proche d'avoir mes 1000 points, tiens. C'est rigolo. Ça va tomber ce soir. Ah, Frozen. Alors, c'est les grands classiques. Et après, on partira dans la pure découverte sur les autres tracés. Alors, point d'exclamation, play, allez-y. Voilà, je mets le compte à rebours. Ah, la musique! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Gartic, que ce soit le show ou le fun. Oh, ça reviendra peut-être au moment des fêtes de fin d'année. Pour revenir à la musique, c'est de l'ambiance. Musique d'ambiance électronique, c'est de l'ambiance. C'est sympa, j'aime bien. Merde, qui c'est qu'on suit ? Fun Fan. Ah, Twinsen a le record. Twinsen qui se faisait aujourd'hui une sortie au parc Actérix. Il va peut-être nous raconter les bonnes attractions qu'il aura faites. Quand il reviendra auprès de nous. Il avait mangé du sanglier, bah je l'envie, parce qu'un bon sanglier, miam, moi j'aime bien. C'est rare quand je fais mon carnassier, mais miam. Quand on me le propose, je le refuse pas. Surtout le jambon de sanglier. C'est même pas le fait de manger le sanglier fumé, enfin fumé. Non justement, manger le sanglier préparé de manière classique, c'est d'avoir du jambon fumé de sanglier. Ça fait des années que j'en ai pas mangé, mais quand j'ai eu la chance d'en manger, punaise. Un bonheur, ça coûte cher. C'est une viande de luxe. Et j'ai eu cette chance plus jeune, plus maintenant, malheureusement. Et puis, il faut pas se voiler la face, en fait. C'est un des privilèges à fréquenter des chasseurs. C'est d'avoir, évidemment, du bon gibier dans l'assiette, quoi. Message de Fun Fan 1992, c'est bien, on a 4 couleurs différentes. C'est vrai. Surveille le chrono à voir si le record local va tomber. Visiblement non. Twinsen va garder le record. Ouais, c'est loupé. Twinsen conserve son record.
Ça y est, Christella a rallié l'arrivée. El Chitophone, deuxième. C'est sympa les promenades que nous a proposé Nainonette pour l'avenir. Bon, moi je vous referai donc le plateau, comme vous le savez, dans des conditions normales. La forêt de haies, il a dit la butte challenge complète. Ouais, j'ai mes points bonus. C'est bien, on va pouvoir acheter des choses dans la boutique du jeu. Bref, Christella Chitophone, moi-même et Fun Fun. Ah, Marble Santori, toujours dans l'espoir en visitant le système solaire. J'adore cette carte. Dans l'espoir de battre le record chrono stratosphérique de Fun Fun, qui était proche du record mondial. Allez-y, placez vos billes. En 3.38, alors que le record mondial est en 3.31. Un truc de fou. Heureusement que t'as chez pas là. Oh mon dieu. J'aime jouer avec Nash souvent quand il est dernier. Ça parle mal. Oh, t'es déjà niveau 203, Fun Fun. C'est la folie. Ah merde, j'ai pas mis le compte à rebours. Ah bah, je vais lancer start dans 30 secondes. J'ai oublié de mettre le compte à rebours. Oh, vous êtes tous là, je pense que je peux lancer. Allez, où je lance maintenant. Ah merde, non, faut attendre une minute. Oh, non, bah non, start now. Je peux avorter le truc. Allez, go, zou. Sinon, ça va durer trois plombes. La mousse commence à faire effet. Attention. Je vais débiter des grosses âneries dans quelques minutes. On n'a pas suivi Christella. Ouin. Ah, voilà. Qu'on suive un peu Christella. Le soleil est proche, il va tout cramer. Souvent il est dernier, nuance. J'ai pas dit quand il est dernier. Ça change tout. Ça change le sens de la phrase. C'est vrai, j'ai dénaturé tes propos, tu as raison. Ah, bonsoir Twinsen. Alors je parlais de toi justement, je baissais un peu la musique si on bavarde. Comment ça s'est passé ton parc Astérix? Dis-nous tout. On veut tout savoir. J'en reviens, tu vois, j'en reviens. C'était bien? T'as pas eu trop de fil? Quand on y va de bonheur, ça va. Ouais. Ouais, c'est pas toujours évident, parfois t'as des mauvaises surprises. Mais c'est bien. J'ai fait 15 000 passes, donc ça va. Ouais, ça entretient. Hein. C'est cool. Non, mais là, en fin de journée, quand on voit les queues qu'il y avait sur certaines attractions, c'était démentiel. Ouais. Il y a plus de 2 heures d'attente. Ah, oh, je pourrais pas. Oh non, j'aurais pas cette patience. Surtout pour. Mais bon, j'ai pas fait ce truc-là, mais c'est pas grave. Mais bon, j'en ai quand même fait une au début, il y avait pas trop de monde, donc ça a été. C'est cool. Oh, Fun Fan. Oh, le vilain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que t'aurais pu rester là-bas, ça nous aurait fait des vacances. Non. Mais moi, au moins, je joue pas aux billes avec 2 billes. Bam. Le parc Astérisme, avec la grosse barbe à papa, nous dit Dayonet. Ah bah ouais, t'es énorme. Oui, merci pour les photos. Ouais. J'avais pas de mètre pour mesurer, hein, donc... J'avais vu sur le Discord tout à l'heure. Merci du partage. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la question qui te posait. Alors, t'as mangé du sanglier à midi? Non, on avait payé des sandwichs parce que si on mange sur place, il y a des queues pas possibles. Là aussi, ouais. Bah, à Edune, on est en vacances, forcément. Ah oui, c'est vrai. Vacances scolaires, donc c'était le bordel. Veille de pont. Donc, imagine le truc. Ouais, dur.
Donc on a prévu les sandwichs, c'était plus pratique. Bien vu. Oui, cette carte te réussit, Fun Fan, ouais, t'es en tête. Pour une fois qu'il est en tête à quelque chose. Oh. Ah non! Ah merde! Il y a beaucoup d'éliminations là. Ouh, dur. Oups, moi aussi, j'y vais. Dans l'univers. Il reste Nayone en tête. L'univers impitoyable. Ouais. Le record local peut encore tomber. Non, c'est foutu. Oh! Ouais, il y a du spectacle là. Ah! Nayonette est le seul à rallier l'arrivée. Énorme. Tiens, ouais. Je vais mettre encore une photo que quelque part. Tiens, je vais mettre ça. Avec un bon chrono. 3,44, c'est un bon chrono sur cette piste. Ah, les deux jours. GG Nayone. Alors j'ai vu tout à l'heure que t'as fait du fire, donc ça remarche ce style. Oui. Alors, je vais te raconter pour ceux qui sont arrivés en même temps, mes déboires Steam sont résolus, en fait j'arrivais plus à me connecter. Et finalement, alors tu sauras que j'ai toujours pas de réponse de mon billet d'incident de la part de Steam. J'ai rien dans mes mails. Mais bref. Sur tablette, je me suis installé Steam et en fait, j'ai pu m'identifier sur la tablette. Et maintenant, je photographie, tu sais, le fameux QR code qui se présente sur mon écran, sur mon ordi. Et c'est bon, je valide comme ça maintenant. Donc, j'ai fait ça ce matin et nickel. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est QR code ou les lettres et les chiffres à taper là. Le QR code me va très bien. Je pointe mon téléviseur avec la tablette, comme je passe devant, et clique, nickel. Et du coup, tu peux jouer. Exactement. C'est tout bénef. Merde, je fais des bêtises. Attendez, pardon. Ah, on va suivre Fun Fan pour cette course-là. Oui, je sais même plus manipuler la caméra, moi. Oup, là, je vais mettre le curseur sur le côté. Oula, qu'est-ce qu'elle fait, la bille? Elle revient en arrière. Elle va tomber dans la gouttière. Non, du coup je suis sauvé grâce à la tablette en fait, l'histoire de Steam là, et j'ai pu reprendre la main. Mais bizarre. On aurait pu y rejouer depuis bien longtemps peut-être. Écoute. Bah tiens d'ailleurs tu reverras la diffusion, j'ai continué FIR tout à l'heure. De 14h à 16h là. J'ai pas mal avancé et on s'est bien marré. Ça te plaît toujours autant. Oui, j'accroche, merci à toi. Ouais. Non mais je me vois faire toute la saga là, je me vois faire le contenu additionnel et les opus suivants, on est bien parti pour. C'était une question de Christella qui se demandait si les opus suivants étaient aussi bien. Mais. Tout ceci au niveau de l'histoire, donc voilà. Ouais. Ouais, le scénario. Quand on saura plus sur le premier déjà, t'auras déjà une idée du truc, et après la suite. D'accord. Bien. Là, je suis arrivé au moment où le mec, il avouait qu'il était issu de la chair de la fille. Il dit, il disait pas que c'était sa mère, mais il disait j'ai été créé à partir de son corps et de son esprit et qu'on fait qu'un. Même si on est deux entités distantes. Oui, distantes et distinctes. Et l'intelligence artificielle, j'ai adoré. Je me suis fait avoir en beauté par des assauts bien menés. Ah, excellent. Oui. Après, bon, l'histoire du jeu est un peu banale, mais après, c'est le jeu lui-même qui est terrible. Non, remarquable. Il y aurait eu ça dans Half-Life, ça aurait été... Attends, parce que là t'as pas encore fini le jeu, donc attends un peu. ça va monter mieux. En gamme. Il y en aura d'autres. Waouh. Ah oui, les derniers ennemis qui m'ont foutu la frousse que j'ai découvert cet après-midi, après les gros bleus turquoises là dans les yeux qui sont des blindés sur pattes, j'ai eu les fameux translucides là. Qui joue les ninjas. Message et qui de sont Fun aussi au ralenti. 1992 pour Twiz. On veut savoir avec Christella, est-ce la mangée du sanglier?
J'ai posé la question tout à l'heure, il vous a répondu non, il a prévu des sandwichs. Bah oui, parce qu'il y avait la queue forcément un peu partout, donc c'était compliqué. Mais bon, j'ai quand même la chance d'avoir le parc à Saïk, c'est pas très loin de chez moi, donc... Après, si on pousse un petit peu plus, on a Mickey. Mais ça, voilà. Faut payer plus cher. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus coûteux au niveau des sous des entrées. Ah, ouais. Non, puis pousser un peu plus loin au prix où est l'essence en ce moment. Non, c'est pas pour l'essence, mais le, ouais. C'est le problème des places, quoi. Donc, bon. Record local détenu par Bob Morlock en 1.05.2. Hop là, qui c'est qu'on va suivre? Hop, j'appuie sur un chiffre au hasard. Ben, c'est FunFan. Je peux pas changer. Toujours avec ces deux billes. Oui. J'ai failli dire non parce que je voyais pas la deuxième. Ah, attends, Bongo Boogie, elle est vicieuse celle-là. Elle est plus dangereuse qu'il n'y paraît également, la carte-là. Il faut pas se laisser amadouer par la largeur de la piste par endroit. J'ai déjà vu des gadins sur le tracé là. Donc désolé, hein, je rappelle que demain je ne diffuserai pas. Même pas depuis les cabinets. Même pas. Je n'ai pas reçu suffisamment de commissions. Non, je déconne. La prime des cabinets. Ah bah obligé. Quel jeu mot moisi. Hein. Ah oui, mais j'étais obligé. Alors, El Chitophone, moi-même et Nayonette sont sur le podium. Est-ce qu'un record a été battu? Ouh, il s'en est fallu peu à 3 dixièmes de seconde, mais Bob Morlock garde le record local. Voilà. Et la deuxième bille, ouais, à FunFan qui a fini quatrième. Malheureusement, Christella, t'es tombé dans le vide. Pas de bol. Elle fait pouf. Ouais, c'est ça. On se dirige vers la maison de la douleur. Christella, Chris n'est plus là, hein, donc voilà. Point d'exclamation play, allez-y. Ah, c'est moi qui ai le record local en 1.24.7. Tiens. À la maison de la douleur? Putain, je m'en souviens même plus. Moi, tout à l'heure, j'ai fait des maisons hantées. Hein. Oh. Quelle vie. Ah là 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 là. J'ai remis quelques petites photos dans... C'est où j'ai mis ça? Dans Autres divers normalement. Ok, merci. Pour ceux qui souhaitent voir. Donc pour ceux éventuellement... Je sais pas si on a... Si j'ai un public nouveau, on sait jamais. Je pense à ceux qui sont discrets. Qui se manifestent pas, mais ceux qui veulent venir sur le FunFan, il est discret lui. Non, mais au moins que un maximum de personnes puissent avoir accès aux ressources qu'on partage. Pardon. Mince, j'ai oublié de suivre une bille. Oh, bah alors on est pas beaucoup d'engagés. Je vais re-suivre Christella. Après, promis, Dayodesh, je te suis. Je t'ai pas suivi. Parce que du coup, vers Nancy, y a pas de parc comme ça vers chez toi, non? On a le Frépertuis du côté des Vosges qui est un parc, je crois que le thème c'est un cow-boy avec une marmotte, non pas une marmotte, j'ai des bêtises, je sais plus. Non, c'est un goupil, je crois. Frépertuis. Je sais plus. Attends, on a le Frépertuis, je crois que c'est le logo, enfin l'emblème, c'est la mascotte, c'est un cow-boy. On a la forêt du goupil. Je passe ça sur internet. On a la forêt du Goupil et on a un Wallaby Schtroumpf, je sais plus où.
La vache. Au niveau de ma région, mais on n'a pas de Mickey. Moi, par exemple, les membres de ma famille qui veulent aller voir Mickey, ils vont au Disneyland Paris, carrément. Mais après, non, le plus populaire, moi, dans ma région, il faut franchir la frontière allemande. Je vous en avais déjà parlé. Celui-là, j'avais eu la chance de le faire, c'est Europa Park. Celui-là, Ah il oui, est c'est bien. démentiel, absolument démentiel. Il est tellement grand que pour ceux qui connaissent pas, on peut louer une chambre d'hôtel. Il y a plusieurs hôtels parce que sans déconner, le parc pour faire toutes les attractions, il faut rester une semaine. C'est pas possible. C'est le parc, il est immense. C'est le plus grand d'Europe d'ailleurs. Il n'y en a pas en Espagne Un aussi grand, je crois pas. Il semble qu'il y en a en Europe aussi en Espagne. Oh, non, sans déconner, je veux dire qu'Europa Park en Allemagne, proche du Rhin, il est le plus grand parc d'Europe d'attractions. Il est. Oh, pour l'avoir fait, sans déconner, c'est vertigineux, quoi. C'est absolument génial. Et t'as fait des attractions à sensation ou t'es juste dans genre les petits trains ou petites voitures ou tout? Petit train, petite voiture plutôt. Je suis pas. J'aime pas me faire secouer, c'est pas. J'ai pas le tempérament. Non, mais c'est vrai. Ça met la tête les idées en place, hein, comme on dit. Ouais. Alors, Dayonette, moi-même et Christella, on fait le podium. Pas de record local battu. On passe à la suite, Lucky Trajectory Success. Ah, on commence les courses de la communauté, donc on part dans l'inconnu. Ça va être rigolo. Va peut-être y avoir des records mondiaux qui vont tomber. Non, le plus casse-cou que j'ai fait en ayant 18-20 ans, c'était les chaises volantes. Et j'ai jamais Ah. fait au-delà. J'en suis pas capable. Honnêtement, j'en suis pas Oh capable. là Point d'exclamation, plaît, placez vos bébés. Non, bah, passion du jeu vidéo, tu sais, quand j'étais gosse, je claquais mon argent de poche à coups de pièces de 10 francs dans les bornes d'arcade. Alors, ça, j'adorais. Alors, Pour attends, il en a très moi. rarement maintenant. Il en a quasiment plus maintenant. Oui, c'est passé de mode, mais moi, ça a été mon bonheur. Et ce que je disais tout à l'heure, là, justement, on commentait la promenade, le retour le long de la Meurthe. Et au temps présent, au moment de la promenade, je me plaignais auprès de Nainonette, je disais, j'ai toujours pas retrouvé le premier jeu vidéo que j'ai fait de ma vie quand j'avais 9 ans avec ma frangine, et qu'on avait un copain qui nous avait prêté son Atari 2600. Et ben, figure-toi, et d'ailleurs, ça te fait doublement plaisir, enfin. Ça va te faire plaisir, enfin, fun. Twinsen, pardon. J'ai retrouvé ma grosse base de données dans mes cahiers, dans mes prises de notes pour de futurs tableaux mystères. Donc, ça va m'encourager à en faire d'autres. Et j'ai retrouvé dans la branche section Atari 2600, j'ai retrouvé le jeu vidéo en question. C'est Solaris que j'avais découvert quand j'avais 9 ans, mon premier jeu vidéo. Et je m'arrangerai pour pouvoir leur faire dans le courant de l'année prochaine, je pense, vous faire une séance spéciale sur mon antenne et il faudra que je me remémore le jeu, quoi. Parce que les Ouais, dis-moi. Atari 2600, il y a beaucoup de pixels dedans, hein. Ah, ça va piquer les yeux, hein. C'est d'un niveau presque de Pong. Parce que là, pour reconnaître les jeux, ils sont quasiment tous identiques, hein. Ouais. Mais. Et encore, le jeu, j'ai vu dans les miniatures, il était en 16 couleurs. Moi, vous saurez que je l'ai fait sur un bon vieil écran télé, c'est-à-dire en noir et blanc, et avec de la neige dessus. Enfin, c'était les tubes cathodiques, quoi. Donc l'image n'était pas Avec le parfaite. seul câble qu'il y avait, là, l'espèce Péritel. de câble antenne. Non, câble antenne. Il y avait un câble antenne Ah, pour chaque console. oui. Oui, l'antenne râteau de l'époque, quoi. Il y avait un câble comme ça, un truc avec une seule broche à l'intérieur, tout moisi, Ouais. quoi. Et voilà quoi. Donc je vais sûrement redécouvrir avec vous le jeu en question. On fera ça, je sais pas quand, dans le courant de l'année prochaine, on verra. Je sais que j'ai Ouais. l'émulateur et je dois avoir la ROM quelque part. Parce que J'avais beaucoup ça. beaucoup fait à l'époque Dig Dug. Ah. Fun L'espèce fan, de. moi-même Christella pour le podium, pardon, j'annonce. Oui. L'espèce d'espace fantôme là, avec une espèce de laser pour tuer les fantômes. D'accord, j'imagine bien le principe. Et du coup, ça a été ton premier jeu vidéo?
Oui, hein, à l'intérieur d'une saison, Nick Dug, Space Invader, et un pot position, là, tout moisi. C'était merveilleux, mais bon, avec la manette super dure, avec un bouton, là, et tout noir, rouge et blanc, là, rouge et noir. Ouais, ouais. La manette, rien que la manette était quelque chose, hein. Je m'en souviens encore, moi aussi, ouais, de l'avoir en main. Super dur. Puis il y a un truc de sport ou d'athlétisme où il fallait bouger la manette comme un dingue. Ouf. Bah c'est bien, au moins tu te musclais les doigts. Ah ouais, voilà. C'est mieux qu'une salle de sport. Et ben pas dégueu, là, je suis en train de siroter une mousse, une bière aromatisée à la mangue. Et encore pas pompette. Elle est pas dégueu. Oui, je vais être relax pour le direct avec une fan X-Files, oui, c'est sûr. Il va y avoir des bêtises. C'est possible. Ah merde, Naïnonette t'as pas placé sa bille. Alors je fais mon vilain, c'est la mienne qu'on va suivre, une fois n'est pas coutume. Ah bah merde, t'as placé ta bille trop tard, Naïnonette. Oh ouais. Bah, ce sera pour la prochaine. Oula. Ah ouais. Si, ça il est pas mal le tracé. Oh, les embranchements. Non, c'est vrai que... Encore merci à toi, Twinsen. C'est vrai que le Fear, que je connaissais que de nom sans plus, franchement, très très bien. Ouais, imagine, hein. En plus, il y a le Fear Combat qui est gratuit, où il n'y a que le multi qui est... qui est faisable. Donc si on se met tous à faire ça un jour... Ça pourra s'organiser, ouais. Ouais, bah, j'ai téléchargé l'ISO. Ouais, c'est un truc terrible. J'en ai fait plein aussi à l'époque, du multi là-dessus. Ouais, t'as dû bien te fendre la poire. Alors essaie de deviner mon pseudo que j'avais à l'époque sur ce jeu-là. Parce qu'il n'y avait pas Steam encore à l'époque. Essaye de trouver mon pseudo sur Fear Combat. Alors, sachant que actuellement t'es Twinsen, donc Twinsen ça fait référence à un héros de Little Big Adventure. Ah merde, j'ai gagné la course! Suivi de Fun Fan et peut-être de Christella. Attends, on va suivre la dernière bille qui est El Chito Fun. Ah bah, Christella est tout proche. El Tricheur Fun plutôt, ouais. El Cheater Fun. Peut-être que t'as pris le nom de la demoiselle. Non, bah non, je suis dans t'aurais pris un truc viril. T'aurais pris le peut-être le nom du vilain du début, là. Qu'on pourchasse. Non, c'est plus tordu, là. C'était plus tordu. Attends, résultat. Moi, Fun Christella... Ah oui, bah oui, du coup, il y a encore le cal de battu, mais pas le record mondial. Bon, il n'y a rien... Il n'y a pas de quoi lever les bras au ciel. On arrive à la 10e course sur 16. Placez vos bibis, point d'exclamation, play. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, zou. Vous avez une minute pour placer votre bibille. C'était plus tordu que ça, le nom du pseudo, quand tu joues à la fille. J'essaie de trouver, te connaissant, j'essaie de trouver des pseudos que tu aurais pu te générer. Moi, je pense pas que ce soit un truc générique du genre Rocket Launcher ou... Non. Le défourailleur. ça tirait bien. Non. En plus, je me dérouillais pas mal aussi à l'époque. Hein. Tout ça. Le pseudo que tu aurais pu lui donner dans le jeu. Bon, j'ai un indice, c'était pas bonne femme. Tu parles d'un indice. Je te remercie. Ça va être vachement... Ah, Nayonet, on va pouvoir le suivre. Voilà. Ah, il devait peut-être pas être né encore à l'époque, hein, je sais pas. Quoi, saucisson, chocolat, chips, oh mon dieu.
C'est tout sauf équilibré. Alors oui, le tableau mystère, vous n'êtes pas prêt de le retrouver parce que là, je vais faire deux dimanches sans diffusion, donc il n'y aura pas de tableau mystère. Vous allez avoir le champ. Vu l'indice qu'on a eu, ça donne pas beaucoup de trucs. Hein. Ça t'a pas aidé, monsieur Guy ? Ah bah non, monsieur Guy. Alors, je vais l'écrire tout à l'heure pendant X-Files dans mon Discord, mais je peux déjà te donner le nouvel indice. J'ai envie de dire potentiellement, encore que c'est optionnel, mais j'ai envie de te dire le dernier jeu développé sous MS-DOS. C'est encore pire, ça. Tu te plains, mais j'en dirai pas plus. Non, tu peux trouver la réponse avec ça. Le dernier jeu historiquement développé pour, sous MS-DOS. Oula, vous êtes en train de parler culinaire. J'ai pas tout suivi. Mais ça a le goût entre le saucisson et le chocolat. Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Quelque chose qui ressemble au saucisson au chocolat, j'arrive pas à imaginer là. Alors, du saucisson au chocolat purée. Terrible ça. Oh, arrête. Oh mon dieu. C'est un accident industriel là que tu décris. Waouh. Parce que le purée qui. Le chocolat fondu qui coule sur la purée, avec la saucisson dessous, Oh, non mais et tu sais que je repense aux horreurs, enfin aux horreurs, c'est mon avis, mais... Que tu m'as passé, là, le shampoing au hamburger ou je sais plus quoi, là. Le pire, c'est que ça existe, hein. C'est des séries limitées pour ceux qui y travaillent, mais t'imagines le truc. Oh là là. T'as le goût Big Mac, tout comme ça, c'est magnifique. Ah, ça me dépasse. Tu te crois au travail. Oh non, je pourrais pas. C'est bizarre. Il y a des moments où je me dis que la nature humaine est surprenante. Bon, classement. Fun Fan, Christella, moi-même. Et les autres ont chu au pied du podium. Il n'y a eu aucun record. Il n'y a pas de record mondial pour le moment. Suivi de Neynonet et Chitofun, 4e et 5e respectivement. On file vers la 11e course. Point d'exclamation play. Point d'exclamation. Démission. Non. Ah, elle va durer un petit peu la course. Parce que je vois que le record mondial est en 1:53. À mon avis, on va mettre 2 minutes. Bon app, Christella. À plus tard. Sûrement sur le direct de Fun Fan pour X-Files. Alors, est-ce que c'était une nappe, c'est une nappe cirée ou une nappe en toile? Je m'en parle pas. Tu dis bonne nappe, alors moi, j'en sais pas, moi. Ah non, je suis pas un aficionado des nappes. J'ai un vieux truc en plastoc, moi, pour ma table principale. Un coup d'éponge et basta. Ça me va et quand très tu bien. Poses une, et quand tu poses une casserole bien chaude dessus, bah ça fond, c'est magnifique. Alors, tu rigoles, mais j'ai eu le problème là, pardon, j'ai encore fait référence à mon papa, mais il était grand fumeur, et il en a, mais alors cramé avec ses cendres de cigarettes, c'est une horreur. Mais le problème, c'est que quand t'as une belle table en bois, et que la nappe fond par-dessus, pour récupérer... Ah, voilà, soupir, vous avez toute mon exaspération dans le soupir, là. Les heures à gratter pour essayer de ne pas décaper la table, c'est-à-dire ne pas la bousiller au niveau de son vernis, mais tout en récupérant la texture d'origine, j'ai connu. Moi, j'ai un dessous de plat que j'ai eu gratos, qui était une chute déviée de. Des déviants granit. Ah bon, pour très original. Tu sais, les trous pour l'évier, par exemple, ben, du coup, ils creusent pour faire un trou. Ouais. Et puis mettre la cuve en dessous. Et bah, du coup, ce morceau-là, je l'ai récupéré. Il a été poli pour le dessus. J'ai mis des patins en dessous en feutrine pour que ça glisse. Et je m'en sers comme sous-plat. Donc, ça me fait un gros bloc énorme de 3 cm d'épaisseur. Vache. Voilà. Ça reste pas perdu. Ça bouge pas. J'imagine. mais du coup, t'es condamné à le laver à la main parce que ça passe pas dans ton lave-vaisselle. Non, si. Mais c'est rien, c'est un coup d'éponge et puis ça part très bien. Quoi. On est d'accord, tu me rassures. C'est des granites lisses. Eh,
Elle est. Alors, je salue ton idée, tu sais pourquoi? Parce que je pense à une utilisation, tu sais, en barbecue en extérieur. Un coup d'arrosoir et hop, c'est rincé. C'est pratique ton truc. Ah oui. En fait, l'idée, c'était les vies de mes parents. C'est les vies de mes parents qui m'ont fait par des amis qui travaillent dans du marbre, et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai récupéré deux chutes. J'en ai donné à un collègue à l'époque, et puis moi, j'en garde l'autre. Yeah! Bien vu. Bien vu, bien vu. On fera une photo à l'occasion de ce soir. Oui, merci, ouais, à l'occasion. C'est bien pensé. C'est rigolo, les petites statues. Hurry back. C'est Mimi. Ils ont pris le temps de faire des sculptures. C'est bien fait. Ah! Nayone a gagné. Du coup, on va voir l'arrivée des autres, mais via le sens opposé. Nayonette, Elchitofan, Christella, moi-même et enfin Funfan, si Sabi ne vient pas à chuter dans le néant. Ça va, oui, Rally est arrivé. Et ben voilà. GG Nayonette. Il n'y a toujours pas de record mondial. Bon. De choco saucisson chips. Ouais, c'est ça, Nayonnais. Point d'exclamation plaît. Bonne dégustation de choco saucisson. Oh là, c'est fort ton truc. Choco Ça va dire. saucisson chips. Ouais, je suis pas assez chauche. Vas-y, vas-y, en même temps, on est chaud là. Oh, complètement, oui. Je demande le fiston à Sophie Favier ou Sophie Fafier elle-même. Ça va être drôle. Vas-y, les autres, elle, là. Ouais. Ça va compliquer l'élocution. Et tu rajoutes Isabelle Mergo en plus, alors là, t'as un triplé gagnant. C'est vrai, j'avais oublié Isabelle Mergo. Elle est pas mieux celle-là, quand t'es Oui. Ouais. Oh, c'est vrai que. Et t'imagines une conversation entre les deux? Ah merde! Ça va être beau ça. Je sais pas si ça a été organisé, mais ça doit être ouh. Elles sont pas sur Twitch, on sait jamais, hein. Peut-être des font peut-être des Twitch. Ouais, honnêtement, je pense qu'elles pourraient avoir leur succès. Hein. Qui con! J'ai oublié de déclencher le compte à rebours. Oh. Pourquoi c'est sur ton four que vous déclenchez? Oui, je pense que tout le monde est là. Allez hop, j'avorte le chrono et on lance. On n'est On pas est une dans. frais, hein. Ouais, c'est ça. Oh, EJ Club! Re EJ Club! Ah, bah attends, on va suivre ta bibille. T'es où? Où qu'il est, notre Benjamin de l'équipe? Il est là. Il est là, il est là. Benjamin. C'est Benjamin de l'équipe. Bah oui. C'est le genou. Oula. Il en jette le décor. Oula. Record mondial en, on va dire, en 1,18. J'arrondis au supérieur. Toujours avec l'avatar de CTLM, dit FunFan. Oh, c'est la texture fer forgé façon. Comment on pourrait dire ça? Escalier d'escabeau ou d'échafaudage antidérapant. Oula, la bille qui repart dans l'autre sens. Oula! Ah oui, non, j'allais dire, c'est quoi ce truc? En fait, c'était un élément de parcours qu'on voit pas souvent, mais avec la dite texture justement de fer antidérapant, là, ça donnait un aspect nouveau. Et ça m'a fait tiquer pendant quelques instants. Oh, la voiture! Excellent! La voiture grue! Oh, c'est génial! L'arrivée est superbe! Nayonel, Chitofan, Edgy Club, FunFan, et moi qui devrais boucler l'arrivée, voilà. Jolie! Superbe carte!
Ah ouais, la classe. Pour répondre à ma question de tout à l'heure, mon pseudo c'était Fear Factor. Fear Factor, pardon, j'avais complètement oublié ton jeu de devinette. Fear Factor. Fear Factor. Ah oui, le facteur de la peur. C'était suite aussi à l'émission. Si, c'était suite à l'émission télé qui était passée aussi. Effectivement. Bien vu. J'ai pas été chercher loin. Je conçois. Oui, point d'exclamation play. Voilà, vous pouvez placer vos billes. Bah tiens, je sais ce que je vais regarder tout à l'heure. Arthur, malédiction, tiens. Hop. Je vais le mettre en route. Nous concernant une scène, je te reviendrai. Et je pense honnêtement que je le ferai ça aux alentours de Noël. De refaire une session de 3-4 heures de mon jeu de planète là que j'aimais bien de cet été, qui est Planet Crafter, et je te ferai mon débrief sur le film Seul sur Mars. Voilà, tu me regardes d'ici là, est-ce que tu aurais oublié? Je n'exclus pas cette possibilité effectivement de le revoir parce que honnêtement il était vachement bien. Bah oui, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça ressemble à ton jeu, c'est pour ça. Non mais je reconnais que t'as été bien inspiré, je te l'accorde. Et même l'approche, la logique de survie, on est pas loin effectivement des mécanismes du jeu, ouais. De terraformation, c'est vrai. Bah ouais. Avec Brad Pitt, je crois, sinon c'est ça, Pitt. Je pourrais plus dire, je connais même les acteurs américains. Message de FunFan 1992, oui. Le streamer versus ses modérateurs. Oui, c'est ça. Non, c'était Matt Damon. Alors la fin à l'américaine, enfin je parlerai quand je ferai la critique du film. La fin à l'américaine qui est un peu cucu la praline, mais il y a vraiment de très bonnes idées. Le scénario, tu sens quand même qu'ils sont basés sur du sérieux scientifique de la NASA ou. Il n'y a pas que du fantasque. Alors, il y en a aussi, mais... C'est savamment dosé, on va dire. Ça penche pas trop d'un côté et pas trop de l'autre, c'est correct. Mais... C'est vrai que ça laisse rêveur. Ah ! Ouais, non, ça y est, je repense au film. Il y a un moment, je vais me fendre la poire, je vous dirai pourquoi. Enfin, on verra ça vers les fêtes, quand je ferai une spéciale Planet Crafter. D'ailleurs, quand je relancerai le jeu, là, il y a une mise à jour récente que j'ai pas appliquée encore. Je m'en assurerai évidemment de le faire avant de lancer. On en saura plus sur le scénario du jeu. On va avoir plus de... Ça vaudra le coup que je refarfouille les endroits que j'avais déjà farfouillés, parce qu'il y aura du nouveau. Et l'intrigue va s'étoffer. Va s'épaissir, ça va être intéressant. Donc c'est cool, c'est un beau programme en perspective qui nous attend. Alors, eh ben c'est bien, FunFan, t'as placé tes deux billes avant moi, et moi c'est même pas dit que je rallie l'arrivée, parce que là je suis tellement chahuté que je suis parti pour être éjecté hors parcours. Je repars même en sens contraire, ce qui est pas bon du tout. Oh ah, merde. Ça c'était dans mon âge ce matin, ça, le sens inverse. Oui. Parti en marche arrière. Ah ouais, mais là c'est le dilemme de ma bille, là ça va pas. Au secours. Mais non, mais je vais même pas rallier l'arrivée, déconnez pas. Ah ça y est, elle s'est décongestionnée. Ouch. Ouais. Mais il faut pas que je me fasse rattraper par le mur éliminatoire là. Oh, ça craint du boudin. Nainonet qui dit je me mets en retrait, je joue à American Edge of Empire 4, pardon. Oui, t'as bien raison, bon jeu à vous. Edgy Club Wikizik, c'était Matt Damon. Ouais. Ah si, j'ai quand même, ma vie a quand même rallié l'arrivée avec une minute de retard sur FunFan. Il a bouffé des stories. Ah non, il a mangé de la purée, c'est pour ça que vous avez vite. Tiens, est-ce que tout le monde veut une astuce pour calculer un calcul par 11?
Bah, Fun Fan va représenter tout le monde. Si tu dis la valeur là, tu sais qu'il est il est très attaché. Comment faire pour faire une multiplication de deux chiffres par 11 rapidement ? Sans prendre deux feuilles, sans poser le calcul. Tout de tête ? Enfin, pas forcément de tête, mais voilà, pour sortir le résultat rapidement. Ah. Il y a une technique pour le faire. Attends, moi je réfléchis déjà. Si on prend un exemple, par exemple, 53 fois 11. 53 fois 11. On répète deux fois à l'écriture le nombre. Ça donne 5353, c'est ça ? Non. C'est là où vous constatez que je suis nul en maths. 53 fois 11. Oui, non, ça peut pas faire ça. C'est quelque chose comme 530 plus 53, 586, c'est ça ? Non. Même pas. Je suis nul ! Voilà, vous en avez eu la démonstration. Message de FunFan 1992, tu rajoutes 2 11. Quoi ? Tu rajoutes 2 11. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? 53 fois 11. Alors là, j'ai. Ce qu'a dit FunFan m'a grave troublé. Tu rajoutes 2 11. Non. Alors je veux bien ta solution s'il te plaît, je deviens fou Tinsen. Alors, donc il y a 53 et 11. D'accord, sur le calcul. C'est en multiplication, hein, pas en addition, je crois. Donc on a 5 et 3. Donc les 5 et 3, tous les écartes. Et le trou qui est entre les deux, tu fais 5 plus 3. Et tu mets 8 et ça fait 583. Voilà, c'est fini. Ok. Oh la vache. Ok. Pas une calculatrice ou tout ce que tu veux ou la poser, ça marche. Tu peux changer par un autre nombre, genre 24 x 11, et ça fera 264. D'accord. La magie des nombres. Voilà. Waouh. Tu écartes les deux chiffres et le trou, tu le combles en faisant les additions. Ah ouais. Et ça marche à tous les coups. Pour un chiffre à deux, pour un chiffre à deux chiffres. D'accord, un nombre à deux chiffres. Ok. Tout ce qui va entre 10 et 99. D'accord. Et si si l'addition est supérieure à 9, c'est-à-dire qu'il y a une retenue, et ben tu l'ajoutes au chiffre, au premier chiffre en fait. D'accord. Comme ça tu peux multiplier par 11 très rapidement. Merci pour l'astuce. C'est là où on se dit que la science des mathématiques est absolument fabuleuse. Waouh. C'est pas grand chose à voir, mais ça vaut le coup de le savoir. Ouais, bien sûr, merci. Comme ça, si t'as un chiffre à deux chiffres fois 11, tu auras que le faire tout de suite de tête. Ok. Utiliser cette technique. Oui, pardon, point d'exclamation play, enfin je pense que vous l'avez deviné. Tiens, on va suivre Edge dans la course. Et bon, et puis en avant les histoires. Yep, multiple euclidienne. Bonsoir, Pop Bedry Pop. Il est où Edge? Où qu'il est, Edge? Il est là, Edge. Il fait ses devoirs. Et il les fait bien. Je sais pas si je vais sabrer champagne, mais ce serait honnêtement l'occasion de savourer une énième mousse. C'est le mec qui parle comme un acolo. C'est pas vrai, hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que les mousses... Je déconne pas, je bois que mon alcool en votre compagnie parce que c'est l'équivalent d'une fête avec vous et puis c'est le moment de décompresser de ma semaine, ça me fait du bien. Mais
c'est un peu mon enfant du fantasy. Et surtout du retour de Steam. Aussi, oui, pas que, oui, bien sûr. Mais que Edge ait son baccalauréat, ce sera bon, bien. Bon, y a pas encore, hein. C'est en juin, ça, juin-juillet. Oui, on n'y est pas encore, et j'espère que, sérieusement, Edge bosse. T'attends de mettre de la bière au frais d'ici là. Hein. Il faut pas tomber, oui, il faut pas tomber dans le piège de croire que c'est acquis. Ouais, non, il faut bosser, il faut vraiment bosser. Parce qu'en plus, ça te donne des bons réflexes pour plus tard, la vie active et tout examen. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers et ses acquis. Et faire la fête quand tu nous annonceras, je l'espère, que tu as obtenu ton baccalauréat. Je souris parce que je me tourne vers mon téléphone qui vient de s'allumer et je viens de recevoir un SMS amusant familial. Voilà, je suis content. Même dans ma famille, c'est la bonne humeur, ça fait du bien. C'est un moment pas forcément joyeux. J'aime beaucoup cette musique. Record mondial en 3:15. On fait durer le plaisir, le parcours il est long, il est bon. J'ai l'impression de faire, justement une. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est ça, non mais j'ai l'impression, tu sais, dans le l'accent que j'ai employé, de faire un truc de forain là. T'as pas un effet de reverb ou d'écho à mettre derrière ou de délai pour faire forain. Faites-vous plaisir et le mercredi c'est demi-tarif. Derrière les musiques, tu sais, électroniques avec les bonnes basses, boum boum boum. Mais j'en avais parlé récemment sur mon antenne de la vie de forain. J'en ai parlé hier entre nous quand on était en vocal Discord, pardon. J'ai connu un camarade de classe en primaire qui était un fiston de forain. Et il est très probablement devenu forain lui-même. Enfin, il y a de fortes probabilités. Tout ça pour dire que là où j'en revenais pas, c'est que bah il scoltinait des camarades et des profs différents tout au long de l'année. Il passait. En fait, voyage. Bah ouais, mais ça doit pas être évident quoi. Surtout que pour accrocher les wagons, tu sais, du programme national, t'as pas forcément le même rythme d'une académie à l'autre. Et franchement, ça va être très particulier. Et puis il y a aussi beaucoup de forains qui font des cours par correspondance, avec des trucs de CNED, de compagnie, quoi. Bah, finalement, s'ils ont les moyens d'investir là-dedans, c'est peut-être mieux, finalement, pour les jeunes, quoi, qui sont obligés de suivre leur famille en errance, on va dire. Enfin, errance, le terme est péjoratif, mais en mouvement par rapport à leur activité professionnelle. Yeah, vu les caravanes qu'ils ont, quand même... J'ai des trucs qui est des sortes de camions qui s'écartent et ça s'agrandit. Oui, je vois pas le rapport. Et donc voilà. Je comprends pas ton argumentation. En fait, les forains ils travaillent de père en fils, hein, donc c'est une sorte d'héritage. Ouais, dans le savoir-faire et dans le patrimoine. Le papa lui achète un manège tant de centaines de milliers d'euros ou millions. Et en fait, c'est ce qui va léguer au fils pour. Voilà. Il va lui apprendre de s'en servir à le monter, démonter. Ouais. Donc son fils n'a déjà un métier en fait. S'il faut rien à l'école, voilà quoi. C'est pas faux! C'est vrai qu'il y a un héritage sur lequel il peut s'appuyer et faire fructifier. C'est pas faux. Oui, non, c'est vrai. J'avais vu des reportages comme ça à la télé, là, les. Bah vite fois un truc comme ça, j'ai non. C'est là où je suis fier de ma ville, parce que j'avais vu dans un bouquin historique de Nancy, le concept de la fête foraine aurait été visiblement créé à Nancy en l'an, je sais plus lequel, 1600 ou 1700, par un duc, le duc Raoul. Raoul Eh ouais, c'est cool Raoul.
Il a instauré... Et nous, maintenant, on a, on a Didier Raoult, son petit-fils. Oh non. Oh non, pitié. Je l'avais oublié, lui. J'avais souhaité l'oublier. Oh mon Dieu. Désolé. Ah, c'est malin. Mais... bref, il avait instauré ça sur le cours Léopold à Nancy, l'actuel lieu dans ma ville de réception des forains chaque printemps. Et il voulait en fait égayer et le peuple et relancer l'économie locale au niveau des commerçants de, et de restauration et d'arts divers, tu sais, d'artisanat. Et ils avaient choisi la place publique de l'époque qui était la place de la Carrière, qui est proche de la rue, la grande rue, la première rue historique de la ville. Et c'est comme ça que le concept de fête foraine est né, c'est-à-dire des lieux de restauration et de divertissement en plein air. Voilà, bon, vous savez tout. Message de Fun Fan 1992, il y a aussi Marcel Raoul, Campion, le serveur Grim Fandango Emoticon souriant. Qui est le roi des forains? Pardon, qui est le roi des forains? Marcel Campion. Ah oui, oulala, oui, qui fait parler de lui, ouais. Ah oui, dès qu'il y a des trucs de forain, bah, il est là, quoi. Au moins, il est un honnête représentant de sa profession, c'est vrai, mais j'ai envie de dire à quel prix, enfin, on n'est pas là pour débattre, mais... Et comme dit Funfan, il y a aussi Raoul, le serveur dans Grim Fandango, alors l'occasion pour moi de faire de la pub à Funfan, on va se retrouver sur son antenne mardi après-midi. Oui. Mais ça, c'est lundi ou mardi, ça, son Grim Fandango, là. Oui, mais dans le calendrier, ça arrive assez vite. Mais je vais avoir pas mal de choses à vous lire en commentaire composé mardi sur ça. Parce que Funfan m'a donné des directives, il m'a donné des sujets à trouver. Et coup de bol, j'ai trouvé tout le monde. Tous les sujets qu'il m'a soumis, j'ai trouvé des infos. Une fois n'est pas coutume, tout n'est pas de Wikipédia. Et ça va être intéressant. Je pense très honnêtement la partie la plus intéressante, et Funfan avait bien fait de mettre l'accent dessus, c'est on va voir la différence culturelle à honorer nos morts, nos ancêtres, entre l'Europe, ou la France de manière centrée, et le Mexique, la fête des morts, justement dans le thème de, oui, du jeu. Si on prend par exemple le dessin animé récemment Coco, qui en parle aussi un petit peu. Tu l'as pas vu Coco, le dessin animé? Non. Mais culturellement, bah, c'est très intéressant. C'est un arc qui est plus beau que tu regardes Coco, tu regarderas. À l'occasion, ok, je retiens Coco. C'est facile, c'est un de mes parfums favoris. C'est haut. C'est ça. Fin du Grand Prix de 16 courses qui est sur le podium. Alors, j'ai envie de dire, il y a au moins une bite faite fan, reste à savoir laquelle. Ah bah il y a moi troisième. La question à se poser, c'est est-ce qu'il va finir le jeu en un stream? Elchitofen deuxième. Il est parti pour le boucler en 6 heures, figure-toi. Donc je te donne rendez-vous mardi après-midi. Normalement il le trace en gros de 13h à, on va dire, 19h max. On verra. Et encore non, moins de 19h avant. Ah, Nayonette, GG Nayonette, t'as remporté le Grand Prix de 16 courses. Ouh, puis avec beaucoup de points, 67. T'as 6 victoires, énorme. Elchitofen moi-même. Le speedrun, il se termine quand même en 56 minutes, hein, 54 secondes. Eh ben, Funfan va essayer de le faire en 6 heures. C'est pas mal. Ouh là là, c'est pas dans mon tableau de speedrun, ça. Oui, mais d'accord. Non, mais bon, c'est à l'image et à l'échelle de ce Funfan. Bref, Funfan, Christella, Hicham qui est passé de manière éphémère, qui a fait une course, bonjour à lui, et Edge complète le podium. Enfin, le classement, on va dire, pas le podium. Il est moins doux. Et oui. Chamois d'or, c'est ça, non? Chamois d'or. Comment ça, du chamois d'or? J'en ai pas goûté, peut-être jamais de ma vie, je sais même pas si j'ai goûté ce fromage. C'est une sorte de gruyère. Avec une bonne purée. Ouais. Attends, je fais mon vilain, je choisis 4 courses avant d'aller chez Funfan. Des courtes et des intenses. Sous les 2 minutes.
Le sprint, ouais, c'est le cas de le dire. Allez hop, on va se faire 4 courses hyper rapides et on file chez FunFan pour du X-Files. 4 petites courses, allez, faites-vous plaisir. Oh, on l'a jamais faite celle-là. L'intro me dit rien. Trop bizarre. Trop. Allez-y, placez votre bibi. Point d'exclamation play. Ah, c'est Nayonek qui a le record local. Si, on l'a déjà faite en 1:27.4. Alors que le record mondial est sous la minute. Oh, énorme. C'est énorme. Merci, merci. Ah non. Mais je ne dirai pas où ou quoi. Non. Oh. Tu t'assis dessus d'ailleurs. Oh pour non. Les, désolé pour les filles ou les femmes qui. Désolé pour les filles ou les femmes qui traînent. Hein, oh. Non, non, je vais pas surenchérir. J'ai de quoi surenchérir, mais je me l'interdis. Ou derrière l'oreille, sinon. Oh. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bref. Départ de la course. Alors qu'on va suivre AJ. Non, sérieusement, je voulais dire un truc et je sais plus. Ça me reviendra, tant pis. Attends, les bibis, hop, voilà, tombent dans la gouttière principale, et c'est là où ça devient intéressant. Oui, non, je repense au FIR en multi, là, que tu m'as proposé en téléchargement gratos. Il faudra sérieusement que je pense durant les fêtes de fin d'année. J'ai plein de trucs à faire durant les fêtes de fin d'année, il faudra que je note, parce que je vais pas tout retenir. Oh merde, Nayonet, t'as giclé dans le décor. Je sais pas comment, mais t'as giclé de côté, c'est une horreur. Il a réussi à gicler. Ah oui, mais violemment sur la droite, c'était pas joli joli. Sur la gauche, pardon. Ça y est, je confonds la droite de ma gauche. Heureusement que c'est un jeu de billes, impliqué à l'image, hein, sinon t'imagines le gros con. On a eu une scène assez trash tout à l'heure dans Fear, justement. Mmh. Ouais, on a eu des ennemis, on va dire, qui se sont fait liquéfier. Oui, donc le fameux FIR en multi, il faudra que je l'organise et que je le planifie. Et non, non, merci à toi, c'est vrai qu'on aura l'occasion. J'aimerais bien qu'il y ait Pierre Troutman qui nous rejoigne à ce moment-là, d'ailleurs. Oui. Et c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Ouais, ouais, c'est ça qui est beau. C'est rare de suivre. Hein. Mmh. Ouais, non, c'est vrai, puis apparemment il y a du contenu, parce que je crois que l'image faisait 2 gigas et quelques. Donc, connaissant à peu près le niveau technologique du moteur, il doit y avoir pas mal de niveaux bien sympas. Oui, il capte pas mal. Mmh. Puis ça, c'est assez violent, hein. Donc imagine déjà les armes que tu as pu voir. Voilà. Mmh, mmh. Oups. Oups, oups, oups. Elle est violente, cette carte. Il n'y a que 2 personnes qui ont rallié l'arrivée. Doublement, c'est FunFan dans la même minute, 1:48. Edge Club, moi-même et Nine Honnête, on était éliminés. Il n'y a que les 2 billes de FunFan qui ont rallié l'arrivée. Éliminés. Alors, Edge Club se pose la question, qu'est-ce qui est gratos? C'est le multi. Il y a des fans qui... Ou l'éditeur original, j'ai pas fait gaffe, mais... C'est l'éditeur original. Il y a le multi original. De Fear, ouais. En original en plus, ça, c'est classe, c'est sympa de leur part. Bah oui. On va s'organiser, toi aussi tu vas pouvoir le faire sur ton ordi, AJ. On se fera... Merde, j'ai lancé la course tout de suite, oh le con. Je suis désolé, pardon, j'ai pas fait exprès. On Alors, est en duel, AJ et moi. Le jeu s'appelle Pierre Combat. Avec un C. Faudra que j'en fasse la pub davantage sur mon Discord, ouais, t'as raison, que chacun télécharge son ISO déjà. En espérant que la version ne change pas. Non, ça bouge plus, de toute façon, c'est vrai, ça bouge plus. Ouais. Non, depuis des années, ça bouge plus. La semaine prochaine, il faut que je pense à mettre en lumière ça. J'y repenserai, je pense que je réécouterai en semaine mon ralenti. Surtout que là, je diffuse qu'aujourd'hui et pas demain, donc j'aurai une forte probabilité de rentendre mes âneries en direct. Et ça va me remémorer que je dois faire ça, et je me le noterai sur mon agenda à ce moment-là, dans le temps de loisir.
Oui. Je ne sais pas si les possesseurs de FIR 1, que ce soit en version Steam ou CD ou DVD, peuvent jouer en même temps que ceux qui ont FIR Combat. Je ne sais pas si c'est compatible. Mmh. On fera en sorte que tout le monde télécharge le FIR Combat et puis on se retrouve. Et de toute façon, c'est deux jeux distincts et FIR Combat n'a pas besoin du jeu FIR original pour jouer. Oui, bah. En plus. Tout le monde s'organisera pour avoir le FIR Combat et voilà. Donc pour FIR Combat, tout le monde peut le prendre et tout le monde n'a même pas besoin. C'est pas la peine d'acheter le premier pour y jouer. C'est ça qui est beau. On aime bien jouer de ta part. Voilà. Nickel. Non, je pense qu'on va bien se marrer. Bien vu. T'es vraiment le génie. En plus, ça demande pas et ça demande pas des machines puissantes en plus. Ouais, tout le monde devrait pouvoir. Même toi d'ailleurs, est-ce que tu peux prétendre pouvoir nous rejoindre sans latence? Faut bien que je teste. Ouais, t'as pas encore testé? Non. Je sais qu'à l'époque ça marchait, mais. Ah oh, bah. Là, avec le coucou que j'ai, je sais pas. Oh, si, ça a l'air de sentir bon ton histoire. Ah bravo EJ, tu m'as battu. Merde, attends, oula. Oh, la mousse fait effet, je clique là où il faut pas. Bon, ça y est. Vous êtes en train de me perdre. Il y a un troisième bras qui te pousse là. Oui, on dira pas où. Oh mon dieu, allez, point d'exclamation play. J'arrête de faire des bêtises. Ça, c'est une troisième jambe, c'est pas pareil. C'est dispo sur... Non, je vais pas surenchérir. C'est dispo sur. Je ferai une pub, Jay. Oui, sur Google. Je ferai une pub sur mon. Je ferai un billet avec le lien de téléchargement direct sur mon Discord. Je ferai ça en semaine, Jay. T'inquiète pas. Mais on sera pas avant ça, avant décembre. Parce que là, je vais être pas trop présent durant novembre. Je suis désolé, mais. Non, j'ai sans déconner, là j'ai un agenda qui devient blindé même en week-end, donc le prochain grand week-end que j'ai plaisir de faire avec vous samedi dimanche, ce sera dans 15 jours, la mi-novembre, exceptionnellement, mais en ce moment j'ai, déjà l'année dernière j'avais l'agenda chargé pour le mois de novembre, bon c'est la vie, hein, quand t'as des obligations. Bah oui, c'est Halloween, tu peux te transformer en citrouille. Ouais, c'est ça. Oh, yeah. Une bonne soupe au potiron, je dirais pas non, ça fait longtemps, c'est bon. Peut-être ta prochaine soupe que je vais m'acheter, tiens. Miam. Ah, il faut pas non plus demain oublier qu'on recule une heure. Exact, tu fais bien de le rappeler. Ouais. Au bout du coup, Fun, il faut faire un film un petit peu plus long. Ah, moi, je suis pour. Honnêtement, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout, mais je suis pour. Excellent. Il a pas pensé à ça. Hein. En fait, on change légèrement la règle. À minuit, il sera 23h. Ah. Voilà. Donc, comme tu arrêtes ton antenne à minuit et quelques minutes. Alors, bien sûr, faut recharger la. Faudra recharger la sauvegarde d'il y a 23h. Oh! Oh non, t'es fan, non, je fais pas de stream. Oh, PJ, qui est très, on va dire, opportuniste, tout ce qui est gratuit, je suis présent. Tu m'étonnes. À notre époque, ah bah c'est ça. Moi, je te dis où faut trouver ça, moi. En gratuit, il y a deux jeux gratuits sur Epic Games. Hein. Depuis jeudi. C'est-il pas beau? Ouais, j'ai fini ma mousse, j'ai plus rien à boire, c'est scandaleux. Bah, faut remplir le verre du coup. Non, c'est bon. Mais honnêtement, elle est pas dégueu, ça a effrayé la Jed tout à l'heure qui faisait. Ouais, mais tu pourras mieux dormir après, c'est ça qu'il faut te dire. Oui, je sais pas si ça m'aide à dormir, mais faut quand même que je garde quelques neurones pour X-Size. Oui. Le premier jeu gratuit, c'est Saturnalia. Je connais pas. Et Warhammer 4000 Mechanicus. Ah, Mechanicus, je sais pas, mais Warhammer, la licence est connue. Ouais. Ah ouais, c'est la version 1. Et Saturnalia, c'est quoi comme jeu, ça? C'est un... Je sais pas.
Simulateur spatial, un space opéra? Non. Non. Une aventure de survie d'horreur. Tels les personnages d'un film explorer les villages isolés aux rituels anciens. Ces routes labyrinthiques changeront chaque fois que vous perdez tous vos personnages. Oh, ah, c'est un pas genre mal horreur. Pour Halloween. C'est un genre survie horreur aventure. C'est pas mal. La description. C'est du solo. La description que tu m'en fais est pas pour me déplaire. Il y a des succès en plus hein, sur Epic Games. Il y a pas un succès. Et c'est gratuit, t'as une semaine pour le prendre et le rajouter à ton compte. D'accord. Oh, merci pour l'info. Et visuellement, ça. C'est pas très vilain, quoi, ça va. Dans l'ambiance horrifique Halloween et jeux vidéo, tu as une scène. Fantasmagoria. Alors, je l'ai pas fait, mais je sais que de réputation, il a. Ouais, ouais. Mais. Surtout des doublages moisis aussi, mais ça, c'est autre chose. La fantômette bleue là que j'adore, Spooky, je sais plus quoi, Scary Spooky Mansion, basé sur le moteur de Wolfenstein 3D, tu l'as connu? Qui était dans un tableau mystère une fois là, une espèce de sorcière sur un balai là, non? Non, c'est pas ça. Ça c'était Super Cauldron, un des jeux de mon enfance d'ailleurs. En fait, c'est le premier jeu vidéo que mon papa m'a offert lorsque j'ai eu mon premier ordi. C'était après l'Atari prêté par le copain. Faudrait que je vous le fasse aussi le jeu là. J'ai la boîte originale, je pourrais l'exhiber fièrement. J'ai quelque part le Super Cauldron. Fait par Titus à l'époque, le studio de développement. Qui a fait Noctar. Oui, qui a marqué Bastos. Oui, il l'a fait sur son antenne. Ça a traumatisé, je pense. Ouais. Troisième Edget, deuxième votre serviteur, et évidemment El Chitophone. No comments. Merci d'avoir joué. Après c'est un petit peu de sous en ce moment, le jeu à faire, c'est Scorn. Ah, j'aime pas. Je l'ai vu chez Christella, j'accroche pas. Il est très original. Hein. Il est bien bossé d'un point de vue atmosphère et graphique. Il est énorme. Mais oui, je revendique mon dû, là, voilà, hop là, comme ça je gagne des points d'achat. Tu veux des jeux un petit peu horreur, t'as ce gratuit, je pense qu'il est dans ton Steam, Left 4 Dead 2. Laissé pour mort 2, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà dans ma bibliothèque, ouais. Je pourrais vous le faire plus tard. Mais le 1, déjà, il faudra que je le refasse parce que je l'avais fait en solo et je m'étais fendu la poire. Mais à m'en décrocher la mâchoire. Je sais pas si je vous ai publié le ralenti sur ma chaîne YouTube. Ça viendra dans les mois, années à venir, parce que j'ai plein de vidéos à vous injecter. Mais Live for Fear, quand je l'ai fait, enfin Laissé pour mort, pardon. Fou rire monumental. Je m'en suis fait mal au bide tellement que j'ai ri, je m'en souviens encore. Après, excellent aussi, jeu. Il y a les deux Dead Space aussi, hein, c'est pas mal. Ah, j'aime pas. J'ai vu le 1 de Dead Space, c'est original, de l'horrifique dans l'espace, d'accord. Mais moi, j'accroche pas, je me vois pas, désolé, je me vois pas y jouer. J'accroche pas. Mais, comme toute chose, j'ai envie de dire culturellement, ça mérite d'exister. Bon, là, les billes, les thèmes d'aujourd'hui, ils me plaisent pas, je vais pas acheter de billes. On verra un autre jour. Ouais. Bah c'est cool, merci d'avoir joué. On va filer chez FunFan pour du X-Files. Alors, attendez. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan. Attends, je vais faire ça. Je viens de projeter mon image en direct sur mon grand écran. Et je te prie croire que ça fait bizarre de voir sa tronche en direct sur un grand écran. Ah oui, bah ça fait peur, les FunFan en écran. FunFan, je sais pas. Oh, t'es méchant. Mais moi, déjà, ça fait bizarre. Pour FunFan. Imagine si t'es en 8K, en plein écran 8K, tu vois là. Ouais, bref. Ah, c'est... Enfin, oh... Mais tu rigoles, mais j'ai des captures d'écran déjà il y a quelques années. Je rappelle que les Japonais sont en standard 12K de mémoire. Et j'ai déjà des vieilles captures d'écran il y a plusieurs années de Starlet japonaise que je suivais et que j'aimais bien.
en 4K. Et quand tu zoomes sur l'image, c'est horrible, mais tu vois déjà les imperfections de la peau. Mais c'est traître, c'est vraiment traître. Tu vois vraiment, quand tu zoomes bien, tu vois les poils sur le visage, c'est troublant. Ah, il faut pas avoir des poils donnés, des boutons d'acné, c'est terrible. Hein. C'est ça, rien n'est pardonné. Dans l'esthétique, c'est atroce. Un bout de salade entre les dents, c'est magnifique. Ouais, non mais ça va loin. Bref, enfin, encore que les demoiselles, hein, je dois les honorer dans le sens que je dois dire que c'était tout à leur honneur. Et c'est vrai qu'elles sont choupinettes comme tout, les nippones. Enfin, du moins celles que j'ai vues. Attention, méfiez-vous, au Japon, il y a beaucoup de choses d'excentriques. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai plus son nom, mais j'adore ce mec. Je sais pas s'il a encore. Je regarde plus la télé japonaise depuis plusieurs années, malheureusement. Bref, mais je vais pas m'étaler sur propos. Mais il y avait un mec qui avait beaucoup d'autodérision. Il était un peu gras. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Oui, je te programme le relais de chaîne FunFan parce qu'il va se passer 90 secondes et je vais avoir le temps de placer mon propos. Il y avait un gars que j'adorais au Japon à la télé. Donc c'était un ancien lycéen, donc là il devenait jeune adulte, mais il était assez enrobé. Alors c'était pas un sumo, mais il était bien en chair. Et il s'amusait justement à toujours s'habiller, à se travestir avec, vous savez, l'uniforme de la japonaise. Le coup de la jupette grise avec l'espèce de cravate rouge autour du cou, avec la chemise blanche. Et beaucoup d'humour, il est très drôle le garçon, et j'aimais bien le voir dans les émissions populaires japonaises. Je sais plus du tout son nom, mais j'adorais ce mec. J'aimais bien son autodérision, il avait beaucoup d'humour. Bref, merci à vous tous et toutes d'avoir été là, merci. J'espère que j'ai pas eu d'événements spéciaux sur ma chaîne, parce que j'ai pas fait, on va dire, les remerciements acquis de droit et de manière conventionnelle. Mais ça a été calme. Ça fait du bien quand c'est calme, je m'en auto-congratule à chaque fois. Non, il n'y a rien de spécial, à part Liana qui m'a suivi tout à l'heure. Merci Liana, bisous tout plein. Je suis content au moins qu'elle est dans ses radars, ma chaîne. J'espère que j'aurai le plaisir de la voir plus tard, prochainement. Malheureusement, elle est arrivée à un moment pas très joyeux, c'était fille. Alors je sais que violence, la super action trop, comment dire, nerveuse, c'est pas son truc. Je comprends pourquoi elle a fui, elle a dit bonjour, au revoir. Ah bah oui, là on est loin des Animal Crossing et compagnie. Hein. C'est ça. Il aurait fallu qu'elle tombe, mais pas de bol, sur ma promenade commentée avec Nainonette. Là je pense qu'elle aurait accroché, mais c'est pas grave. Mais je suis content franchement, parce que j'ai de l'affect pour Liana qui est adorable et qu'on embrasse. Que je connais depuis sur Twitch depuis déjà plus de 2 ans. Enfin bref, je vais pas refaire la genèse de notre connaissance mutuelle. Ça y est, FunFan a lancé son direct. Merci, bisous, bonne soirée, Pop and Repop. Merci d'avoir été là comme tous les autres. La liste est longue pour vous citer. Je suis toujours impressionné de me dire que je tourne désormais une moyenne de 10 spectateurs. Merci à vous d'être là. On voit le petit compteur jaune. Oh mon dieu, ce gadget que j'adore. Mais bon, j'accorde pas d'importance, l'essentiel c'est qu'on passe des bons moments. Merci par exemple Tutsen d'avoir été dans la vocale, merci Nainonette de m'avoir accompagné tout à l'heure pour la promenade, le commentaire, c'était cool de redécouvrir la promenade, c'est bête, mais après quasiment 2 mois d'oubli, ça a été rafraîchissant, ça a été sympa. Donc on file chez FunFan pour du X-Files, je vais me mettre en retrait pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps de chauffer ma pizza et de me restaurer le bidon, parce que c'est pas une mousse qui nourrit, hein, c'est pas équilibré. J'aurai des choses à vous dire sur X-Files une fois de plus. Merci à toi, voilà, tu une scène. Et c'est quoi la race de ta pizza? Chorizo, ce soir. Chorizo. Ouais, chorizo, pardon, je prononce mal. Avec que ça dessus? Avec que ça dessus? Oh là, tu sais, la basique industrielle, hein, je vais pas mettre une pizza de luxe parce que y a pas d'événement exceptionnel. Non, s'il te plaît. Non, heureusement, j'évite. J'évite. Non, mais c'est horrible, tu rigoles, mais je l'ai cuit un peu plus mes pizzas depuis. Oh, arrête. Merci de m'avoir souhaité bon appétit à ta manière. Merde. C'est dégueulasse. Bien fait pour ta tronche, je t'annonce que je vais le kipper, comme ça tu seras coupable. On n'en trouve plus des pizzas Buitoni au magasin, de toute façon. J'ai pas regardé, de toute façon c'est pas la marque que je prends, donc comme ça c'est réglé.
Bref, prenez soin de vous. Bisous, bon week-end. Merci les anonymes qui regardent. Et on devrait glisser. Voilà, on vous resserre du dessert chez FunFan. X-Files tout de suite chez lui. Prenez soin de vous. Bisous, ça va zapper. Je sais jamais quand, mais ça va zapper. Oh mon dieu, cette ambiance de fou. D'ailleurs, c'est quand que j'ai le signal Coco Indy qu'on a basculé. Je sais plus. Ah, c'est bon. Ça y est. Ouf. Moi, je sais pas, j'ai que la vocale. Non, mais ça va, j'ai quand même deux écrans. Ce serait dommage que sur un des deux, j'ai quand même pas la réponse qu'on en a basculé. Alors attends, ne dis pas de grosses obscénités ou de. J'ai pas encore coupé mon enregistrement pour YouTube, j'ai attention. Rien dit, hein, j'ai rien non, mais dit. Je te préviens, je te connais, excuse-moi, je prends les devants. Je voudrais pardonner ma carrière de Twitcher.